Ok, bonjour à tous. On est parti pour l'exercice 29, page 282. Dans cet exercice, on va voir les médianes, les quartiles et l'écart interquartile. En plus de ça, on nous présente les informations de manière un peu différente que d'habitude. On nous représente ici les effectifs cumulés croissants. On ne nous donne pas les effectifs, on ne nous donne pas la série statistique comme d'hab. On nous donne les effectifs cumulés croissants, les ECC. Ok, donc sur l'axe des abscisses, on a le nombre de frères et sœurs, et sur l'axe des ordonnées, on a l'effectif cumulé croissant. J'ai fait plus simple, j'ai représenté toutes ces valeurs-là dans un tableau, comme ça je peux me débarrasser du livre, hop, et regardez toutes les valeurs dans le tableau, je les ai mis là. Au-dessus, on a le nombre de frères et sœurs, et en dessous, on a l'ECC, effectif cumulé croissant. Donc c'est exactement les mêmes valeurs que dans le graphique, on a juste représenté ça sous forme d'un tableau. Ok, première question. On n'était pas obligé de faire ça, hein. Ça, je fais ça juste pour la correction. Donc, interpréter la valeur 16. J'ai la valeur 16 ici, au-dessus j'ai 2. Qu'est-ce que ça signifie? L'effectif cumulé croissant de la valeur 2, c'est 16. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a 16 élèves de la classe qui ont deux frères et sœurs ou moins. Donc ils ont ou deux frères et sœurs ou un frère et sœur ou zéro. Donc, interprétation, 16 élèves ont deux frères et sœurs ou moins. Donc 0, 1 ou 2. C'est ça l'effectif cumulé croissant. L'effectif cumulé croissant, il compte le nombre de valeurs en dessous. Donc là, on va prendre 2, on va prendre toutes les valeurs en dessous. On va prendre tous ceux qui ont 0, 1 ou 2 frères et sœurs. Alors remarquez, vu qu'ici c'est des effectifs cumulés croissants, on ne peut pas additionner, hein. Je ne peux pas dire que je vais prendre 2 plus 10 plus 16, parce que dans le 16 est déjà inclus les valeurs pour 0 et pour 1. Les effectifs pour 0 et pour 1. Ok, petit 2, quel est l'effectif total? Combien de personnes on a dans cette classe en tout? Eh bien, on va regarder la valeur la plus grande, 4, et je regarde l'effectif cumulé croissant, 20. Donc dans la classe, 20 personnes ont 4 frères ou sœurs ou moins. Donc en fait, ce 20 ici représente toute la population, vu qu'il n'y a plus personne après 4. Donc l'effectif total ici, c'est 20. Ok, question 3, déterminer la médiane de cette classe. Alors, ici, si on veut être malin, on peut se débrouiller sans écrire la série au total. Mais moi, je vais me simplifier la vie, je vais vous montrer comment on peut le faire en écrivant la série au total. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va marquer la série comme une grande liste dans l'ordre. Donc, des gens qui ont 0 frère ou sœur, on en a combien? Bon, ben ça, c'est écrit juste en dessous, c'est 2. Donc, des 0, j'en marque 2. Ensuite, des gens qui ont un frère ou sœur, j'en ai combien? Alors regardez, là j'ai 10 en dessous. Ce 10, il représente quoi? Ce 10, il représente tous les gens qui ont 0 ou un frère et sœur. Donc dans ce 10, il y a déjà le 2 qui est inclus. Donc ceux qui ont pile poil un frère ou sœur, en fait il n'y en a que 8. 10 moins 2. Donc des 1, j'en ai 8. Et alors je vais en faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Et là, regardez, l'effectif cumulé croissant, ce 10, il compte quoi? Il compte tous les 0 et tous les 1. Ça, ce 16, il va compter tous les 0, tous les 1 et tous les 2. Donc, si j'en ai 16, des 1, des 0, des 1 et des 2, et que là, j'en ai déjà 10, des 2, il m'en faut combien? Il m'en faut 6. Donc, j'en prends 6 de plus. Donc, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, alors excusez-moi si ça sort de la feuille. Et là, normalement, vous aurez compris, des 3, je vais en avoir combien? Je vais en avoir ben, 3 de plus. 3, 3, 3. Comment j'ai fait? J'ai fait 19 moins 16. Et des 4, j'en ai combien? J'en ai 1. Donc, 1 sur 4. Et là, regardez, si on veut vérifier son calcul, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend par exemple, je reprends la valeur 3. J'ai 19 ici. En effectif cumulé croissant, ça veut dire que j'ai 19 valeurs égales à 3 ou en dessous de 3. Donc si je prends toutes les valeurs en dessous de 3, je dois en avoir 19. Donc si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est bon.
Ça marche. On peut essayer avec les autres valeurs, vous allez voir, ça fonctionne. Ok, donc là j'ai ma série au total, décrite de manière exhaustive, et je veux chercher la médiane. La médiane, c'est la valeur, tiens, rappelle, qui coupe la série en deux, avec autant de valeurs en dessous que de valeurs au-dessus. Donc là, j'ai combien de valeurs? J'ai 20 valeurs. Moi, je veux prendre 10 en dessous, 10 au-dessus. Donc, je vais en prendre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ma médiane, elle va être ici. Hop, elle va être là. Je vais avoir 10 valeurs en dessous, tous les 0 et tous les 1, et 10 valeurs au-dessus, tous les 2, les 3 et les 4. Donc, ma médiane est là, entre 1 et 2. Et quel nombre il y a entre 1 et 2? 1,5. Donc, la médiane, ici, c'est 1,5. Comme ça, j'ai autant de valeurs en dessous que de valeurs au-dessus. C'est ça la définition de la médiane. Mais interprétez le résultat, je viens de le dire. La médiane, c'est celle qui coupe la série en deux. Donc ici, je ne vais pas écrire la phrase, je vais juste le dire à l'oral. On a la moitié de la classe qui a en dessous de 1,5 frères et sœurs, et l'autre moitié qui a au-dessus de 1,5 frères et sœurs. Ok, question 5, donc la 4 on l'a fait à l'oral. Question 5, déterminer les quartiles de cette classe, puis l'écart interquartile. Alors les quartiles, on en a deux. On a le premier, Q1, et on a le troisième, Q3. Alors en fait, on en a trois, on a aussi le deuxième, Q2, mais Q2, c'est déjà la moyenne. Ça, c'est pas la moyenne, pardon, c'est la médiane. Le deuxième quartile, c'est la médiane. Il est là, on l'a trouvé, c'est 1,5. Donc Q1, lui, c'est le quartile qui va prendre les 25 premiers pourcents. Il va prendre le premier quart. Il va prendre le premier quart de ma série. Donc, je veux prendre le premier quart de ma série. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'effectif total et on va le diviser par 4. Donc, 20 divisé par 4, ça fait 5. Alors attention, Q1 n'est pas égal à 5. Q1, c'est la cinquième valeur, en fait. Q1, c'est la cinquième valeur. Alors là, j'ai mis un petit égal. Marche pas, je vais plutôt mettre une flèche. Q1, c'est la cinquième valeur. Donc là, ma cinquième valeur, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5. C'est un 1. Donc Q1, il est égal à 1. Il est là. Hop, ça c'est Q1. Q3. Donc là, Q1, on a pris le premier quart de la série. Hop, on a pris les 5 premières valeurs. Et Q1, il est là. Q3, on va prendre les 3 quarts de la série. En fait, on va laisser un quart au-dessus. Donc Q3, ça va être la 3 quarts fois 20e valeur. Donc 3 quarts fois 20, ça fait 15. Donc Q3, c'est la 15e valeur. Donc la 15e valeur, ben, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Q3, c'est 2. Il est là, mon Q3. Donc ça, c'était Q1, et là, Q3, il est ici. Donc, la médiane, c'est 1,5. Q1, c'est 1. Q3, c'est 2. Là, j'ai mes trois quartiles, Q1, Q2 et Q3. Question 5, oui, et puis déterminer l'écart interquartile. Alors l'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1. Donc Q3 moins Q1, c'est l'écart interquartile, c'est la définition. 2 moins 1, ça fait 1. C'est l'écart entre mes deux quartiles. Voilà. Alors,